Ici Radio Libre Oregon. La vérité vous libérera. Qui se souvient des quartiers pauvres de notre pays? Des gens obligés de vivre dans la rue, dans des cartons d'étang, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de vivre le fameux rêve américain. Certains de ces gens avaient combattu pour la nation. Et les fédéraux les ont largués comme des merdes. SSPT. C'est pas les initiales de ça, le stress post-traumatique. Ouais, non! Peut-être une autre fois, quoi! Cet homme que je traque, il a tué qui? Est-ce que ça peut te foutre? T'es payé pour me le ramener, non? J'en ai rien à foutre. Je veux juste des noms. C'était qui, Cop? L'un d'eux s'appelait Randall. Il était au camp depuis presque un an. Je connaissais pas les deux autres. Tu veux que je demande? Non, ça ira. Si tu trouves ce fils de pute, tu me contactes sur la radio. Terminé. On va jeter un coup d'œil dans le coin. Ok. Qu'est-ce qu'on a? T'es à moi maintenant. Le voilà! Casque argenté! Réservoir rouge! C'est lui! Donc t'as cru que tu pouvais traverser le camp Goblin et tout mitrailler, c'est ça? Qu'il y ait des gens, qu'il y ait du matos, être cassé. On fait un tour au supermarché. Oh chier, Drifter! Tu passes pour Goblin, hein? D'un très bon œil. Je suis pas fan non plus, pour tout te dire. Mauvais pour la réputée Drifter. T'imagines si t'avais flingué Manny, hein? Qui réparerait ma moto, hein? Sale petite merde. Va te faire foutre! T'es un des larbins de Copland! Un putain de kleps! C'est tout ce que t'es! Un putain de clébard! Coupe, c'est fait. Tiens. Note les coordonnées et envoie-moi tes hommes. Ouais, bien vivant. Par contre, je peux pas te dire combien de temps il leur restera. Terminé. Hey Dick, t'es là?
C'est descendre au camp de bûcherons, débarrasser des nids. Pas de plus en plus de mutants par ici. Boozer, non. Non, tu vas finir par y rester. Il faut que t'attendes d'être établi. D'accord? Je suis pas loin, de toute façon. Je vais m'occuper de ces nids. Ok? Ouais, ok. Merci, Dick. Il vaut mieux attendre la nuit. Qu'elle est aussi près du mont O'Leary. Je sais pas pourquoi. Ou alors, je m'en occupe pendant qu'il fait encore jour. Ils seront plus nombreux, mais moins malaises. Saint John, ici Copland. Ça fait plusieurs jours que j'ai pas vu Boozer. C'est juste qu'il lui a envie de bosser pour moi. J'ai essayé de l'appeler, mais pas de réponse. Et comme tu roules avec lui... Bon, quand tu le verras, fais-moi plaisir. Dis-lui de passer dire bonjour à son vieux pote Cope. Merci, terminé. C'est bizarre. Ok. Je te vois. Va chier! Voyons ce qu'on a ici. À trouver. Ok, on va jeter un coup d'œil dans le coin. Oh, bordel. Bon, autant jeter un coup d'œil. Et voilà.
Hunter, t'es là? J'appelle juste pour prendre de tes nouvelles. Ouais, je suis là. Accroche-toi, frangin. Et tu seras remis sur pied, on file vers le nord. Comme on avait dit. Ouais, j'espère. Ça va. Vraiment grave de faire des retours. Concentre-toi sur ton rétablissement. Faut encore que je bricole la bécane et on récupère du matos. On met les voiles dès que tu seras armé. Ok? Terminé. Les jours. Et voilà.